Bonjour, goeiedag iedereen, dag allemaal. Wij zijn heel content dat jullie hier allemaal zitten. Onze speeches gaan zo echt in het Brusselaar zijn, dus stukken in het Frans, stukken in het Nederlands, niet alles verteld, pas tout va être traduit, mais on se comprend finalement. Et voilà. Après, sur notre site web, il y a tout dans les deux langues. On voudrait brièvement se présenter et puis laisser place à l'interaction avec vous si vous avez des questions. Voilà, aujourd'hui on était présent, enfin on est encore là jusqu'à 22h ce soir pour faire de la visibilité à Dier Animal, de eerste partij voor de dieren in België, nationaal, tweetalig en er komen nog andere talen bij, Duits, Engels. De Duitsstalige gemeenschap is ook heel belangrijk in België en expats die dan enkel Engels spreken en die voor de Europese verkiezingen kunnen stemmen. Mogen het dan in het Engels hebben ook. Est-ce que tout le monde entend ce qu'on dit? Kunnen jullie ons horen? Oké. Okay. Non? Ah. On va parler... C'est trop fort peut-être, non? Ça va? Il faut garder à une bonne... pas trop loin, pas comme trop ça. Proche. Voilà, et on va donc présenter un peu l'historique du parti. Moi, je m'appelle Constance Adonis et ça fait quelques années que je pensais à créer ce parti puisque j'étais très intéressée par les autres partis animalistes en Europe. Je les suivais depuis plusieurs années sur Facebook et sur leur site web. Et je me rendais compte, comme vous tous, je pense qu'en Belgique, il n'y en avait toujours pas. Donc, heb ik dan beslist om terug te gaan studeren. Want ik vond het heel belangrijk om een echt goed overzicht te hebben van, van het politiek landschap in België. En contacten te maken met politicologen om hun mening te hebben. En een betere analyse over de actualiteit en over... ja, of dat het nu wel de moment was om zo'n partij op te richten. Et donc je suis retournée à l'ULB où j'ai fait sciences politiques et puis comme ça on a commencé à se voir avec d'autres militants et ça fait depuis plusieurs mois qu'on travaille presque un an je dirais d'arrache-pied pour avoir monté ce parti, c'est énormément de boulot. Voilà, vous pouvez encore voir d'autres explications sur le site internet, sur la page Facebook. Voilà, je laisse la parole à Peter. Oui, bonjour tout le monde, je suis Peter Vragen. Très brièvement, après que Constance avait pris l'initiative de mettre ce joug à... On a trouvé, c'est bien, on va mettre vendre de rue une abstente. Voilà. Constance m'a demandé, quand elle a voulu monter ce parti, tiens, est-ce que ça te dit? J'étais un peu perplexe parce que je me suis dit, moi en politique, déjà comme beaucoup de Belges, apparemment la politique c'est pas ce qui est de plus gai. Et puis le lendemain, j'ai tout de suite dit oui, voilà, dus ik heb ben door Constance uitgenodigd geweest om mee te bouwen aan dat project van die partij. Ik heb maar één dag moeten nadenken eigenlijk. En dat was dan eerder nog het, van het idee van wat ga ik in godsnaam in de politiek gaan doen. Hè? Ik heb geen politieke wetenschap gestudeerd. Ik heb een achtergrond van landbouwkundige ingenieur. Ik heb daarna van alles gedaan en nog wat. Maar veel in bedrijven wel allerlei, hoe zou ik gaan zeggen, nuttige ervaring opgedaan. En... wat mijn eigen parcours betreft op vlak van dierrechten en ook het thema van vandaag, plantaardige voeding. Dus ik ben 15 jaar geleden vegetariër geworden. En dat was eigenlijk vanuit, hoofdzakelijk dan nog vanuit gezondheidsoverwegingen. Vijf jaar geleden heb ik dan de stap gemaakt naar vegan. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb nooit een betere beslissing kunnen nemen voor mijn eigen gezondheid alvast. Ik besefte toen ook al dat ik... door dat te doen, dat dat ook wel een goed signaal was wat betreft het milieu, hè, de milieu-impact kennende van bijvoorbeeld de vee-industrie. En hoe staat het met dierenrechten? Ik ben eigenlijk al, ik denk 20 jaar was ik lid van Gaia, gewoon als betalend lid. Af en toe ging ik zo eens naar een manifestatie. Ik heb in 2014 ook 6 maanden voor hun gewerkt als vrijwilliger. Dan ben ik, denk, als ik moet kijken...
waar dat ik allemaal ondertussen al lid van ben, Animal Rights, Bite Back enzovoort, maar ik bleef altijd zo met het gevoel zitten van, goh, die mensen doen allemaal goed werk, maar ik zou mijzelf nog meer persoonlijk in, allez, voor dierenrechten willen engageren. En toen zij met dat idee dus kwam van die partij, dan dacht ik van, dat is eigenlijk een goed idee, want inderdaad, die dierenorganisaties die doen allemaal op hun eigen al heel goed werk, maar in de politiek is er nog niets. En donc après avoir été membre de plein de et toujours être membre de plein d'associations, d'avoir travaillé comme bénévole pour Gaïa par exemple, je voulais faire quelque chose de plus concret encore. Et puis il y a eu cette idée du parti politique. Et je me suis dit c'est bien parce que comme on est déjà bien représenté côté droits des animaux par Bite Back, Animal Rights, Gaïa, etc. et d'autres, les refuges pour animaux aussi font leur travail. Et puis côté alimentation, hein, on the Voedingskant, on a des associations comme Eva par exemple, comme Végétique qui ont été là aussi. Ils font déjà du bon travail, mais quelque part ce sont tous des maillons, hein, dat zijn allemaal schakels van een grote brede beweging. Hein, er is van alles aan het veranderen, aan het bewegen in de maatschappij. En vandaar ik vond het wel een goed idee om daar nu ook een politieke partij in te zetten. Wetende dat ons enorm veel werk gaat kosten, om dat eigenlijk op korte termijn voor elkaar te boksen, want de verkiezingen zijn dus al volgend jaar. Er zijn dit jaar al verkiezingen. Il y a déjà des élections cette année-ci, hein, les communales. Là, on a décidé de ne pas participer. C'est trop tôt. Hein. Il faut qu'on s'enracine quand même pour participer aux communales. Il faut être bien ancré au niveau des communes déjà. Mais on a dit on y va à fond pour les élections régionales, fédérales et européennes aussi, donc de mai 2019. Voilà, et vous vous demandez peut-être comment on crée un parti politique, parce que c'est quelque part une idée folle et il faut être un peu fou, avoir beaucoup de courage quelque part, tous les militants qui s'engagent, et comment faire? C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, tous les jours, chaque année, comme ça, des partis, donc il faut s'entourer. Moi, ça fait des années aussi, comme Peter, que j'étais militante dans Gaïa, Animaux en Péril, Bite Back, L214 en Espagne, Igualdad Animal. Et il faut essayer de faire des contacts, mettre des relations en place. Anthony LB, maître politicologue, dus hun mening kennen. Ensuite, il faut beaucoup d'administration, de statuts, de schrijven, écrire les statuts, ça prend du temps, c'est vraiment très juridique, embêtant, ennuyeux, mais voilà, on le fait pour une belle cause, donc même si on a encore beaucoup de nuits blanches à passer, on va le faire à fond. Et donc, déposer des statuts, créer une ASBL à côté, commencer à en parler à un maximum de monde pour qu'on ait du soutien, déposer les statuts à la greffe du tribunal du commerce pour qu'ils soient publiés au moniteur belge. Il y a des frais aussi, donc au départ, tous les militants que j'ai abordés, on a payé de notre poche. Voilà, on doit à un moment s'engager, donner de notre personne, donner de l'argent, mais après on sait que c'est quelque chose vraiment qui peut marcher pour les animaux. On est persuadé de ça. We hebben elke dag meer hoop, omdat er elke dag meer mensen zijn die ons willen helpen, die ons willen steunen, die ons hun mail sturen met cv's, met allerhande vragen of hulp dat ze aanbieden. En we zijn ervan overtuigd, wij moeten iets doen voor de dieren op politiek niveau, omdat wij het verschil tussen alle andere organisaties en een politieke partij is dat al die andere organisaties altijd buiten de parlementen zullen blijven. Wij gaan en willen in de parlementen geraken. Ça va être vraiment notre différence de pouvoir rentrer dans ces parlements qui ne vont pas être accessibles à toutes ces organisations pour les animaux. Évidemment, ça fait 25 ans qu'elles font un travail de fond. Et pas que elles, tous les livres qui ont déjà été écrits depuis 1970, comme Animal Liberation de Peter Singer, mais tout ça, c'est un travail de fond. Et maintenant, c'est ça la différence. Nous, une fois qu'on rentre dans les parlements, on pourra vraiment être la voix des animaux, les représenter réellement, pas comme les parlementaires actuels qui... Il y en a qui ont reçu, par exemple, la compétence de bien-être animal, mais ce ne sont pas des vrais animalistes ici. On est sur cette manifestation aujourd'hui avec des gens vraiment engagés et qui vont vivre aussi en conséquence, parce qu'on ne peut pas, quelque part, pour nous, en tout cas, défendre les animaux en continuant à manger de la viande. Pour moi, c'est tout à fait incohérent. Oui.
Ik zou daar nog iets willen aan toevoegen ook. Hè. Een partij zoals de onze, een partij voor dierenbelangen eigenlijk, een parti animaliste comme le nôtre, c'est un phénomène européen et même mondial. Hè. Dus wij staan daar niet alleen in. Er zijn ondertussen in Europa al 11 dierenpartijen onder andere. Waaronder er zijn er al bepaalde die 20 jaar of ouder zijn. De Duitse bijvoorbeeld, hè, die is 20-tal jaar oud geloof ik. Hè. Donc le parti animaliste allemand, il date déjà d'il y a 20 ans. Hè. Donc il travaille déjà depuis 20 ans. Partij voor de dieren in Nederland 15 jaar. Donc là, en Hollande, c'est 15 ans. Donc on n'est pas un phénomène unique. Hein. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place partout en Europe et aussi dans le reste du monde. On est quelque part une nouvelle famille de partis politiques, hein, parce qu'on reçoit des fois la question, la remarque de personnes, tiens, mais quand je vois votre programme, c'est quand même très écolo, hein, pourquoi vous n'allez pas chez Écolo? Hein, er zijn mensen die zeggen van jullie partij, als je wil jullie programma lezen, dat trekt toch allemaal heel hard op groen, op d'écologisten, waarom ga je daar niet bij? Donc peut-être que c'est intéressant pour clarifier, enfin une chose pour dire, tiens, pourquoi pas, justement. Parce que dans notre opinion, les écologistes d'aujourd'hui, ils ne vont pas assez loin. Ils sont, selon nous, un peu mous dans ce qu'ils proposent aujourd'hui. Par exemple, toute la question de l'élevage industriel et de la consommation de la viande, ben, c'est très flou chez eux. Je vais donner un exemple concret. Tu vas aller au barbecue organisé par écolo ou par Groen de votre côté. Ben, qu'est-ce qu'il y a sur le barbecue? Ben, de la viande, hein, des steaks, des saucisses. Voilà. Pour nous, on trouve que ça ne va pas. Un écologiste aujourd'hui qui veut vraiment se dire écologiste, ben, il doit au moins être végétarien. Hein. Je suis désolé parce que hein, we moeten duidelijk zijn daarin. Dat is een onderscheid tussen ons en groene partijen. Iemand die zich vandaag echt ecologist noemt en die zegt van inderdaad het milieu en de planeet is belangrijk, je moet ergens een beetje consequent zijn. En zeker vanuit zijn positie van, zeg maar, die partijvoorzitter, vertegenwoordiger van zo'n partij, ja, vinden we ook wel dat ze mogen plantaardige voeding echt pushen en het voorbeeld geven. En dus ook, ja, als ze een barbecue organiseren, vinden we eigenlijk niet dat er nog vlees moet liggen op die barbecues. Ik wil daar nog iets aan toevoegen. Zijn wij een partij voor vegans? Misschien hè, ook interessant. Maar nee, we zijn geen partij voor alleen maar vegans. Hè. We zijn zelf nu wel vegan, omdat we dat ook vinden, dat dat een stuk deel uitmaakt van credibiliteit, van geloofwaardigheid. Maar iedereen, allez, wij hebben volste respect voor zelfs iemand die maar een eerste inspanning doet om zijn vleesverbruik te verminderen. Enfin, om maar een voorbeeld te geven, hè. De persoon die alle dagen vlees eet en die plots zegt van, allez, kijk, vanaf nu, één dag in de week, stop ik ze. En wel, dan zeggen wij van fantastisch. Als je daar al mee begint, moest iedereen dat voorbeeld volgen. Zo'n grote stap vooruit zijn. En ook de personen aujourd'hui qui mangent la viande et qui font un premier pas, hein, qui viennent se promener ici, disent tiens, intéressant, ta, 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 ta. Et puis, ils décident, voilà, j'arrête un jour par semaine, je mange du végétal. Un jour, et peut-être dans X mois, deux jours. On les félicite, hein, parce que c'est ça aussi qui va faire un grand changement. Donc ça, c'est juste pour clarifier qu'on n'est pas un parti que pour des végans ou même des végétariens. Seulement, si on veut être militant et travailler pour le parti, c'est quand même ce qu'on demande, un minimum, c'est que les gens soient végétariens. Dat is wel een minimum voor mensen die echt aan de partij willen meewerken. Voilà, donc après l'écriture des statuts, qu'est-ce qu'un parti politique doit faire? On doit présenter un programme, donc on doit écrire un programme, on doit avoir des opinions sur différents thèmes de société. Un parti animaliste, beaucoup de gens pensent qu'il se réduit aux droits des animaux, mais ce n'est pas du tout le cas. Un parti animaliste, c'est un parti qui va aborder toutes les questions thématiques, puisque quelque part, les animaux, ça touche à tout. Ça touche à l'environnement, l'élevage, à l'alimentation, qui touche directement, pardon, à la santé, à l'habillement avec la mode, donc à l'économie, à tout, vraiment à tout. Donc, un parti animaliste, on part des animaux, mais on va vraiment rentrer dans chaque thème de société. Quelque part, si on peut se décrire en une phrase, on est un parti simplement qui est contre toute exploitation, oppression, que ce soit sur l'animal, l'humain et la planète. Als wij ons moeten samenvatten in één zin, zijn we gewoon een partij die tegen alle vormen van uitbuiting en exploitatie is op dier, mens en planeet.
En wij willen dus nooit dat er een financiële of een godsdienstige interesse boven andere interesse van dier, mens en planeet komen. Tous ces intérêts financiers, religieux ne devraient pas être placés avant l'intérêt réel de l'animal à son droit de vivre, à l'humain, à la nature. Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on voit dans ce système soit légal? C'est une aberration totale du système, donc on doit vraiment changer tout ça. Mais quelque part, quand on est citoyen comme ça, on se promène dans la rue et tout, enfin pour moi, tout est une aberration, exactement tout. Je prends la voiture, je vois qu'ils ont abattu tous les arbres sur l'autoroute. Après, je vais en ville, je vois qu'ils ont mis des piquets anti-pigeons partout. C'est des solutions politiques, mais lamentables, irréfléchies, inhumaines, non éthiques. Il faut vraiment des politiques de compassion, des politiques plus intelligentes, et on a beaucoup de créativité pour faire ça, et je pense que vous aussi... Ça, c'est très important aussi que les gens s'engagent. Il faut s'engager si on veut changer cette société qui est totalement injuste et envers les animaux encore plus. Puisque si on ne fait rien, on n'arrivera pas. Mais si on s'unit, on est sûr qu'on peut changer les choses. Oui. Ik zou daar ook nog iets willen aan toevoegen. Dus we zijn hier vandaag op die vegan street party dus hier in Brussel. Fantastisch initiatief, er is heel veel volk. Wij zijn een partij voor de dieren. Hè? En ik ga iets over mezelf vertellen ook. Ik heb, zoals veel mensen waarschijnlijk, een periode meegemaakt dat ik heel emotioneel werd als ik dingen zag die te maken hadden met ja, dieren die moesten afzien, hè, of die gruwelijke taferelen in de veehouderij en zo. Ik heb dan... Een fase had dat ik daar heel kwaad kon over worden, ja. Hè. En dan kreeg ik zo de bal terug soms van mensen van, zeg amai, dat is nogal negatief, hè, hoe dat je daar bezig bent met je dingen. Dus heb ik geleerd van, ola, opgelet. Hè. En op een bepaald moment is voor een stuk zo die kwaadheid dat ik in mij had, waarvan ik nu zeg van, ik transformeer dat en ik ga dat inzetten voor een goed doel. Donc en quelque sorte, la colère que j'ai souvent... ressenti quand je voyais des images terribles de comment les animaux sont traités. Ce colère, je ne le ventile plus comme ça, mais j'ai décidé de le transformer pour que ça devienne quelque chose de puissant et de créateur. Hein, je donne cette énergie maintenant au parti. Mais pourquoi j'ai commencé à parler ici de ce qui se passe en dehors? Parce que c'est très bien, c'est super. Je ne sais pas combien de personnes ici qui sont dans la salle qui sont, eux, végétariens. Voilà, il y en a déjà. Végétaliens peut-être, aussi donc vegans, normir, voilà. Peut-être il y a aussi des personnes qui sont aucun des deux. C'est possible aussi. Voilà, très bien. Hein? Chacun fait son chemin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que manger du végétal, c'est super. Quelque part, vous contribuez. Mais pour les animaux qui sont aujourd'hui toujours dans les élevages, dans la situation actuelle, ça ne change absolument rien. Rien. He, dus dat soms wel... Het heeft bij mij ook even geduurd, he, dat mijn nikkel viel. He. Ik was vegan geworden en dat was zo van... ik ben er. He. Nu ben ik vegan. Ik doe daar niet meer aan mee. Maar we moeten wel beseffen dat vegetarisch worden, vegan worden, dat is allemaal zeer goed. Dat heeft zijn impact. Kleine beetjes maken een groot. He. Zelfs de vleeseter die een dag stopt, dat is ook een bijdrage. Maar voor de dieren die vandaag in die situatie zitten van de veehouderij... verandert dat absoluut niks. Daar is meer voor nodig. En dat is eigenlijk voor een deel ook een van de motivaties geweest, want ik zei van, ja, ik stap daarin, in dat politiek project. Ik sta hier met twee van die armbandjes aan. Hè. Donc, j'ai deux de ces bracelets. En fait, celui-là, il est de animal rights, donc les droits des animaux. Et ça, c'est plant power. Donc, c'est manger végétal. Et c'est deux mains différentes, parce que c'est deux choses différentes quelque part. Donc, ce qui est très important pour nous, qui mangent déjà, des choses végétales, qui sont végétariens, c'est de se rendre compte que, attention, c'est bien ce que je fais, mais les animaux ont besoin de beaucoup plus. Ja, dat is belangrijk. Voor iedereen die plantaardig eet, van te beseffen van, we zijn goed bezig, maar dieren hebben wel meer nodig. Want, je vais te redonner la parole, on va rentrer un beetje verdelen. Les journalistes nous demandent souvent, mais pourquoi ce parti, si on a déjà deux ministres du bien-être animal et une secrétaire d'État? Ze vragen ons vaak, waarom
de Partij Dier Animal, als er al twee ministers en één staatssecretaris is, die Antonio Bets en Bianca de Bets. Het is heel simpel. Ik geloof in geen enkel van hun partijen. En ten tweede, het zijn partijen die nooit niets voor de dieren hebben gedaan. En maintenant, s'ils se préoccupent un peu des animaux, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a une opportunité électorale, une récupération politique, vraiment un électorat potentiel. Mais les gens ne sont pas dupes non plus, donc on a vraiment confiance que la population ne va pas se laisser avoir avec cette image de bien-être animal qui est quelque part une grosse façade pour apaiser les gens, leur faire croire que quelque part, oui, il y a des lois pour les animaux, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de lois pour les animaux, en tout cas pas des lois pour leurs droits et leur réel bien-être. Quand on regarde à la loi de 1986, de wet voor dierenwelzijn van 86, daar zit eigenlijk niks in voor dieren. C'est plutôt des réglementations, comment tenir les élevages, à combien de poules, combien de mètres carrés, combien d'heures on peut les enfermer, combien d'heures ils peuvent être transportés, mais ce ne sont pas des lois pour les animaux, ce sont des lois pour le commerce des animaux. C'est tout. Oui. Ik ben daarin natuurlijk helemaal akkoord met hetgeen dat Constance juist zegt, hè, in verband met de partijen. Het wordt inderdaad opgepakt als een populair thema, hè, tegenwoordig dierenrechten. Dankzij het werk ook van de dierenrechtenorganisaties die allemaal die dingen zichtbaar maken. C'est grâce un peu au travail des activistes pour les animaux qui ramènent tout ça dans la visibilité publique que ça devient un sujet chaud et que chacun essaye de le récupérer de sa façon. On va être honnête, hein, on a été déjà contacté par des partis qui nous ont ouvertement demandé, mais bien, venez chez nous, hein, venez nous rejoindre. Évidemment, ça leur intéresse. Ce serait chouette d'avoir Constance dans leur parti hein, pour attirer des votes. Mais nous, on ne va pas tomber dans ce piège. Un parti oprichten in België, Constance heeft daar juist al even uitgelegd wat voor een administratieve bazaar dat er daar aan vooraf gaat, dat is ongelooflijk. Dat zijn dus allemaal natuurlijk obstakels om het moeilijk te maken, ook om met een partij te beginnen. Er is ook de kiesdrempel. Il y a aussi le seuil électoral, le fameux seuil de 5%, le seuil électoral. Donc il faut franchir cette barrière pour être officiellement reconnu en tant que parti politique. Voilà, nous on se lance, on a bonne chance, on va avoir un très bon résultat et on espère évidemment franchir cette barrière. Mais à la différence que si on ne franchit pas tout de suite cette barrière, nous, on va continuer. Parce que quand on parle du durable, hein, als we over duurzaamheid spreken, ook in ons programma, duurzaamheid voor het milieu, hein, duurzaamheid in de landbouw enzovoort, dat geldt ook voor ons. We willen niet dat ons initiatief van politieke partij, dat dan na de verkiezingen wordt dan weggewaaid. Ze zijn niet aan hun 5% gekomen, voilà, ze gaan wel weggaan. Dat is in het verleden al gebeurd. Maar wij gaan voortbouwen. Nous, on va continuer à construire, même si on n'arrive pas aux 5%. C'est une initiative qu'on a commencé aujourd'hui. Et même s'il faut se battre 10, 15, 20 ans, on va continuer. Les autres partis européens, comme Partij voor de Dieren en Hollande, qui sont maintenant plus ou moins à 4%, qui ont plusieurs élus, dans le Parlement national en Hollande, Parlement européen, etc., dans les communes. Ben voilà, ça leur a pris aussi 15 ans pour arriver où ils sont aujourd'hui. Partij voor de Dieren in Nederland heeft 15 jaar ook geduurd, eer dat ze stonden waar ze vandaag staan. Ja? Vandaag liggen de kaarten wel anders. Les cartes sont différentes aujourd'hui. Et on a vraiment le sentiment que c'était le bon moment pour commencer avec un parti pareil, et qu'on va vite rattraper ce que les autres ont peut-être pris une dizaine d'années pour construire finalement. Oui, donc on vous invite tous à visiter la page web si vous voulez devenir militant, rejoindre une section locale et bien réfléchir lors des prochaines élections en mai 2019, régionales, fédérales et européennes, où on va se présenter. Et si ça vous dit de devenir candidat, faites-nous signe. On aura besoin de gens engagés, motivés. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette salle. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou si vous voulez encore qu'on continue à raconter. Je pense que ce serait intéressant si vous prenez la parole maintenant.
qu'il y a des questions, des suggestions? Monsieur, oui. Meneer. Je traduis la question pour les francophones. Le PvdA, ok, shoot. Yeah. Donc pour traduire la question ici du monsieur, il avait deux questions. La première a déjà, selon lui, été répondue quand on a parlé des écolos. Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez Écolo? Voilà. Mais puis il rajoute, il dit quand vous parlez justement du contexte économique. Il a parlé de capitalisme, anticapitalisme. Moi, j'appellerais ça plutôt un contexte néolibéral dans lequel on est, hein, qui est très fort sur le profit, les chiffres, etc., etc. Et donc, il pose la question maintenant, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé chez PVDA, hein, Parti des travailleurs belges? Mais en fait, la réponse, elle est en quelque sorte déjà donnée, pour les mêmes raisons. Parce que même au sein du Parti travailleurs belges, ça reste un parti anthropocentriste. Dus de PvdA, dat blijft ook een anthropocentrische partij. Een anthropocentrische partij, dat wil zeggen dat voor hun het belang van de mens het enige belang is dat telt. En dan nog het belang van de blanke westerse mens. Dat wordt soms ook vergeten. Donc, een parti anthropocentriste, c'est en quelque sorte un parti qui ne considère qu'un intérêt, c'est l'intérêt de l'être humain. Et de l'être humain, même blanc et occidental en général, c'est ce qu'on voit. Il en est de même pour le Parti des travailleurs belges, Partij van de Arbeid, dat is hetzelfde. En dat is ook de reden waarom wij daar duidelijk een verschil maken. En om even in te haken met dat néolibéralisme, souvent les gens nous disent, ah mais c'est chouette votre sujet, ça va attirer plein de gens, parce que l'animal ça parle, il y a de l'émotion dedans, donc vous allez pouvoir avoir des votes de partout. Pourtant quand on lit notre programme, il est assez progressiste quand même. Dus als je ons programma leest, het is vrij progressief van insteek. Terwijl dat mensen toch zeggen, van, het zou toch beter zijn dat je dat wat vloe houdt, wat breder, dan ga je mensen van links en rechts en zo kunnen aantrekken. Maar de eerlijkheid, dat gebiedt ons gewoon om weer consequent te zijn. Il faut qu'on soit cohérent, qu'on soit honnête. Parce que quand les animaux dans les élevages, par exemple, souffrent de la manière dont ils souffrent aujourd'hui, quand on les réduit au statut vraiment de meubles ou même pire, hein, avec lesquels on peut tout faire, c'est parce que justement, on est dans un contexte néolibéral qui s'en fout de tout ça. Ce sont des gens qui nous gèrent à partir de leur PC, qui voient des tableaux Excel, etc., des rentabilités, des pourcentages, etc. Voilà, donc il faut se rendre compte que ce sont en quelque sorte les mêmes mécanismes, la même philosophie même d'exploitation qui agit partout, hein, qui agit partout. Dat is iets dat overal werkt, hein, dus die philosophie van het moet hier opbrengen, hein, cijfers, dan weet ik niet wat nog allemaal. Dat is eigenlijk uitbuiting. Wij zijn onze ondertitel van de partij, dat is voor dier, mens en planeet. De sous-titre de notre parti, c'est pour l'animal, pour l'humain et pour la planète. Donc on est là pour les humains aussi. Il faut une fois se mettre à la place, hein, de la personne qui travaille dans un abattoir. Et on a beaucoup. Je crois que c'est la profession la plus horrible à s'imaginer à faire. Évidemment, on n'aime pas que les abattoirs existent, mais il y a des gens dedans aujourd'hui. Voilà. On les considère aussi. Quand on parle d'une, comment dire, une reconversion, voilà, justement, de l'agriculture et l'élevage, etc., ben ça comprend aussi l'idée que, oui, ces gens-là, un jour, on espère qu'ils ne devront plus devoir faire ce boulot. Hein. Mensen zijn ook belangrijk voor ons. Als we zijn vandaag in een context die niet alleen dieren tot slachtoffer maakt, maar ook mensen zijn slachtoffer van dat systeem. Er wordt altijd gezegd van ja, we leven hier in het Westen en we hebben het toch goed, hè? Werk en zo, en we kunnen toch goed leven. Maar er is nog nooit zoveel burn-out en depressie geweest bij mensen vandaag ook, hè?
Aucun. Donc, le burn-out, la dépression chez les gens qui sont dans les entreprises, il n'y en a jamais eu autant. Hein. Donc, quelque part, ça revient à un même fil conducteur, dans un zelf de. Ja, dat heeft ergens eenzelfde oorsprong. Ik hoop dat dat een antwoord is eigenlijk op uw vraag. Min of meer. Zijn er nog andere vragen? Ah ja, dank u. Donc on reçoit ici des félicitations et la dame elle vient de dire chapeau quand tous les obstacles que vous avez, vous voulez vraiment percer, continuer par votre amour des animaux, c'est très beau. Mais au fait, on a toujours des moments aussi de faiblesse. Hein. We hebben ook momenten van zwakheid, dat we zeggen van, oh, nu zie ik het echt niet meer zitten, zo van, ik zit erdoor enzovoort. Il suffit de penser, de dire, et si j'étais une poule dans un tel élevage? Et ça se dissout. Hein. Als je het moeilijk hebt, dan moet je maar die bedenking maken. Het zou ik een keer moeten geweest zijn, die kip, in die kippenhouderij. En dan valt allez, uw stress, zogezegd, of uw vermoeidheid, dat verdampt vanzelf. En dan zeg je van, kom aan, we doen voor. En veel van ons zijn echte militanten, al 10 jaar, 20 jaar, activisten die soms in slachthuizen gaan, in laboratoria, tegen de wetten, omdat de wetten niet juist zijn. En geen enkel obstakel zal ons stoppen. Geen enkel. Aucun obstacle arrêtera cette démarche maintenant politique. La politique, c'est pour arriver à rentrer dans les parlements et pour changer les lois ou voter contre des nouvelles lois qui iraient contre les animaux ou contre la planète ou contre les humains. Actuellement, quand on regarde les débats parlementaires, ils ne prennent pas en considération ni l'humain, ni la planète, ni les animaux, que l'intérêt financier toujours et éternellement. Et on doit remplacer quelque part toutes ces personnes, la plupart en tout cas d'entre elles. Ce ne sont pas des vrais politiciens. Je pense normalement quand on fait de la politique, c'est un engagement pour un bien de la société, pour la rendre meilleure, pas pour aller se remplir les poches ou pour faire du bien juste autour de soi. D'ailleurs, c'est pour ça que comme ça, c'est quand même quelque chose qu'on a comme le PVDA, PTB, dans nos statuts. Si un jour on a des élus, ils devront donner une partie de leur salaire au parti. Puisque het is heel belangrijk voor ons dat de mensen dus die bij ons komen ook, als ze ooit verkozen worden, dat die niet denken, oké, super, het is nu een mode-effect en we kunnen er geraken en dan gaan ze een heel mooi salaris hebben en de rest, nee, dat is voor sanctuaries, voor dieren, schuilplaatsen, voor de partij, dat is heel belangrijk. Natuurlijk, bien évidemment, tout le monde a besoin d'avoir un salaire digne. Et ce n'est pas le cas actuellement non plus en Belgique. Les pensions actuelles, c'est une atrocité aussi. C'est vraiment tout, alors qu'il y a des actionnaires qui se remplissent tous les jours les poches. Mais comment est-ce possible qu'on se laisse faire comme ça, en fait? Ik zou ook nog iets willen toevoegen over. Er is een uitspraak geweest ergens in de pers, heb ik daar juist gehoord, van iemand die zei van, het ging over emotie, hè, emotie in de politiek, des émotions dans la politique, etc. Souvent, on pense que tout peut être géré et solutionné par le mental, par le rationnel. Hein. On fait un beau calcul, on dit oui, mais ça c'est quand même plus avantageux que ça, etc. Et puis on prend une décision. Hein, de ce. Er zijn mensen die denken dat je alles alleen met je verstand kunt oplossen. Maar als je een keer kijkt, het thema van vandaag, le thème d'aujourd'hui, manger plus de végétal ou manger végétal complètement, hein, vegan, c'est quelque chose que, oui, quand tu fais le bilan, quand tu lis, quand tu t'informes, c'est presque la logique même, hein, dat is zo logisch als soi, als je leest van meer plantaardige voeding eten. Hein. Vanuit je verstand zou je toch die stap kunnen maken. En toch blijft het voor veel mensen moeilijk. Hein? Pour beaucoup de gens, ça reste difficile de franchir le pas, rien que par des arguments logiques. Mais nous, on est, de notre vécu, on est persuadé que sans cœur, on n'arrive nulle part. Zonder hart komt je nergens. En het is jammer dat in de politiek het hart vaak afwezig is. Hein? Donc, souvent dans la politique, le cœur n'y est pas. Les gens sont là aussi avec blablabla et beaucoup de discussions et de pensées, etc., etc. Mais le cœur, l'énergie du cœur, c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma colère.
cette colère ou ce chagrin que beaucoup d'entre nous sentent quand on voit le sort des animaux, c'est du niveau du cœur, dans des émotions, dans des idées du heart kommt. Hein. Et oui, tu peux éclater ça vers l'extérieur et jeter ça dans le visage des gens. Nous, on a décidé, non, on va fermer un peu le robinet, mais on va l'utiliser, ça, on va mettre ça dans notre projet politique. Et on va y mettre du cœur. Parce que sans cœur, la raison toute seule ne va jamais y arriver. Mais du kop gaat er nooit alleen komen. Allez, het gevoel is ook belangrijk. En het feit dat je dingen vanuit je hart doet. Om daar nog een laatste woord over te zeggen, encore dire une dernière chose par rapport de ça. Si on reste loin de l'animal, je vous donne l'exemple de la personne, par exemple, qui mange vegan, qui dit « Oh, tout est bien, tout va bien, moi je suis vegan et j'en parle autour de moi. » Mais il y a une grande distance par rapport à l'animal. C'est une grande afstand. Mais je moet een keer naast un dier gaan staan. Il faut se mettre une fois à côté d'un animal et sentir son haleine, sa chaleur, son cœur qui va regarder dans ses yeux. Alors là, vous rentrez dans le réel. Dan gaat je echt in de realiteit van hier en nu ben ik en met mij, naast mij een dier. En we zijn hetzelfde opgebouwd, on est construit de la même chose. Ça c'est un autre niveau, ça n'est plus du rationnel. Et donc pour nous, il faut quelque part aussi stopper cet excès de rationalité dans tout ce qu'on fait et dans la politique. Et dus dat excessief, enkel maar rationeel denken over dingen, dat moet gestopt zijn. Een beetje hard af en toe, dat kan ook wel. Ce qui est incroyable aussi, c'est que par exemple, un des rôles de l'État devrait être de protéger sa population et elle fait le contraire, puisque actuellement, en promouvant toute cette alimentation industrielle, en donnant des subsides à toutes ces multinationales qui mettent de plus en plus de produits chimiques, de pesticides, pour ensuite nourrir la population, ils sont en train d'empoisonner chacun d'entre nous. C'est de nouveau une abomination. Normalement, un État qui protège sa population devrait interdire tout simplement les pesticides. Le bio, ça devrait être la norme, pas les produits actuels. Le bio devrait être aussi accessible. Et même le bio actuel, on permet qu'on mette des pesticides au niveau européen. Il y a encore des... Donc tout ça, ça doit être revu également. Mais... un État, voilà, comment est-ce possible qu'il fasse des publicités, qu'on reçoive des publicités, même dans les écoles, de mangeons une tartine de pain blanc avec du Nutella et un jus d'orange, du Coca. Toutes ces publicités sont néfastes pour la santé. Ce n'est pas bon non plus pour la sécurité sociale. On voit déjà dans les statistiques, elles sont claires, que les populations végétariennes et véganes vivent beaucoup plus longtemps, ont beaucoup moins de maladies. Moi, depuis que je suis végane, je ne suis pratiquement plus jamais malade. Avant, quand j'étais encore végétarienne, puisque je suis restée quand même longtemps, j'étais quand même assez souvent malade. Avec l'air conditionné, on tombe facilement malade. Et le véganisme, c'est quelque part le produit miracle pour beaucoup de choses. Au lieu de prendre des médicaments, j'ai tellement de collègues, de connaissances qui prennent tous les jours 3-4 pilules. Mais quelque part, il suffit de changer l'alimentation pour tellement de choses. Et l'État ne promouvoit pas toutes ces choses, ça n'apporte pas grand-chose, alors que ça pourrait être changé, justement. Et on ne veut pas, par rapport aux agriculteurs aussi, se les mettre contre nous. On voudrait, comme ça se fait aux Pays-Bas, avoir des projets qui vont les aider à se reconvertir, vraiment les contacter directement, leur proposer des formations concrètes, puisque ça fait peur aussi, le changement, ça c'est certain. Mais si on leur propose des vraies formations où ils vont directement voir comment passer à une agriculture végétale, ça peut les faire changer d'avis beaucoup plus facilement. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Ja, die hebben encore des suggestions, des questions. Oui, ja. Donc la question ici, c'est de comment on va organiser nos campagnes. La question est, on va travailler de tous les moyens possibles, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken. We hebben natuurlijk niet de financiële slagkracht van een dikke partij, zonder namen te noemen. On n'a pas du grand fric comme les grands partis, mais on va utiliser tous les moyens pour se mettre dans l'actualité. Pour l'instant, on a commencé à créer des sections locales, dat is de volgende étape, mais onze ontwikkeling, dat we overal lokale afdelingen beginnen uit te bouwen. Dus we hebben die van Antwerpen opgericht. We gaan die van Namen ook doen en van Brussel. Dat zijn de twee eerste die op programma staan eigenlijk.
Dus voilà, als antwoord op uw vraag, we gaan alle mogelijke middelen gebruiken. Ja. Wij posten dat ook, hè? Ja.